Yo tout le monde, c'est Starview, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va super bien. On est parti pour nos nouvelles vidéos sur les éleveurs français devant le magnifique trophée de Jiffy de Farmer. On est parti, juste après un truc. Donc les amis, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va super bien. Pour cette vidéo, je suis accompagné de Zero, de Jiffy, de Borom et de Seb. Salut. Salut à vous, salut à tous. Comment ça va? Écoute, très bien. Eh bien, très bien. Ça va, Jiffy, devant ton magnifique trophée? Eh bien, oui, regarde, je le lâche plus, hein, tu sais, maintenant je dors avec. Hein, ceux qui n'ont pas vu, c'était dans le live de mercredi qu'on a offert ça à Jiffy, donc voilà. Ouais, écoute, on est parti, du coup, direction dans nos fermes, travailler et voilà. Et let's go. Ok, donc les amis, je suis donc avec Borom, comment ça va? Bah, ça va très bien, et toi? Eh bien, écoute, bah, moi ça va super bien, comme d'habitude, hein, bien sûr. Bon, bah, du coup, on est parti, on va bosser sur cette magnifique série qui est donc les éleveurs français que vous kiffez. Mais merci en vrai de kiffer comme fou, comme tout le temps. Borom, oui, du coup, tu pourrais peut-être commencer avec du foin, parce qu'en fait, on avait un champ de foin qui était en bas de la map et on l'a jamais récupéré. Ah non, c'est de l'herbe. Attends, bah, du coup, tu peux la faucher alors? Ouais, faut la refaucher parce que. Du coup, ouais, ça fera deux coupes de fauche, après on le fun, ça fait du foin. Ouais, bah nickel. Moi, ce que je vais faire, les gars, c'est qu'on va aller vendre du lait parce qu'on a du lait à les vendre et voilà. On a du lait à vendre, on a combien? On doit avoir 10. On a 16. On a 17 000 de lait, donc la cuve fait 18 000, donc c'est parfait. On va aller vendre un peu de lait, il y aura de la moisson à faire. Et si on a de l'argent avant la fin de la vidéo, j'aimerais bien acheter un enclos à mouton. C'est pas un enclos à mouton? Bah, mec, tu sais, dans le champ qu'on s'est acheté là, c'est que en bas là. Je pense que c'est pas bien. 59. Bah, ouais, mec. Ouais, mec, les moutons, ça rapportera de la thune. Comme ça. Bon, on est fauché, mais bon, après ça. Non, mais c'est que ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. On a encore notre cheval qui est là en place. Donc, les amis, le cheval, on le fait courir en live, hein, mais. Attends, j'ai un petit peu d'eau. Ah, l'eau, je peux la vider, moi, j'espère. Sinon, je peux pas aller vendre mon lait si je peux pas vider mon eau. Ouais, non, ça devrait être bon. De l'eau, ouais, mais les vaches sont au maximum là. Propreté, pas 100%, mais elles sont. Mais t'as fait des rations mélangées aux vaches? Mec, c'est au max. Je les avais nourries en live, mais à part ça, non, j'en ai pas fait avant. Ok, alors oui, ceux qui n'ont pas vu le live, on a vendu, les amis, pas mal de poules, même beaucoup trop de poules. On n'aurait pas dû vendre autant de poules que ça. Parce qu'on avait beaucoup trop de. On devait avoir, je crois, 200 poules, même largement plus de 200 poules. Ouais, on avait largement plus. Il me semble qu'on en avait plus que 200 même. Et oui, et du coup, il fallait une benne de 15 tonnes pour être à 100%. Genre, vraiment, une benne de 15 tonnes, genre la benne était pleine. Et bon, c'était un peu cheaté. Donc, ce qu'on a fait, c'est que du coup, j'en ai vendu et bah, du coup, on a plus beaucoup. On a 50, on a voir 100, 140, 150, même pas. Donc, on a un petit peu de poule. Le cheval, Papa Jiffy, il est là, donc 6000 euros. Et voilà, donc on fait l'affaire. Nickel, j'ai mon coq qui aboie. Qui mon coq qui. Comment on dit d'ailleurs? Bon, qui fait le bruit quoi. Ah, nickel. Qui fait le bruit du coq. Voilà, nickel. Bon, je vais mon lait, on le vend où par contre? Comme ça, ça va le vendre le plus cher. Quoique, je crois qu'il y a un seul point de vente. 1400. Bon, ça va. Ah bah c'est comme Biocerre, mais nickel, c'est à côté de la moisson, donc comme ça après j'amènerai la benne pour la moissonneuse, parce qu'on a pas mal de moissons à faire aussi. Il faudra qu'on aille épandre notre magnifique cuvalisier aussi. En vrai elle est stylée, franchement j'ai fait un bon achat, je suis content de moi. On l'a acheté en live. Ouais, on l'a acheté en live. Et bah en fait les vaches, pas la peine de leur redonner à manger, hein, au final, vu qu'elles sont déjà... Le silo a été bâché, donc ceux qui ont vu dans la vidéo du live, enfin voilà, on avait bâché le silo. Et donc voilà, les moutons on les mettrait dans le champ à droite, hein. Donc là tout le champ à droite on sait pas où c'est qu'on les mettrait. Mais par là environ, je sais pas trop, en bas ou à côté. On essaiera de les mettre là. Attendez, Cobiocer, c'est bien par là, moi. Non, oh non, c'est pas là, Cobiocer. Voilà, mais je me suis tombé de route, donc je reprends la bonne route. J'ai parti à l'autre bout de la map. Donc voilà, du coup, on va essayer de voir si on peut placer l'enclos à mouton. Je pense que c'est une bonne idée de faire ça. On a aussi ce champ. Attends, mais ce champ est à nous, il faut le moissonner. Attends, on a plein de champs moissonnés en fait là. On a le combien? On a le 86, on a le. Bah, tous en fait. Tous, même le plus gros champ, on doit le moissonner. Bah, écoutez, t'as mieux. On pourra se faire de l'argent comme ça. Donc, du coup, Diane et Nico ne sont pas sur la partie. Hein. Donc ouais, qu'est-ce qu'il y a? Ça va nous faire du flouze. Du flouze, du bon flouze, ouais. Et au passage, je vous le parle, hein, mais demain, donc là, à l'heure où je vous parle, j'ai reçu mon nouveau logo, ma nouvelle intro, ma nouvelle outro. Normalement, celle que vous avez vue, c'est celle de que j'ai déjà, enfin que j'ai mon ancienne intro, du coup, donc c'est l'intro bleue. Voilà, je me repère comme ça. Et donc demain, à partir de 11h, tout va changer sur ma chaîne, que ce soit l'intro, le logo, l'outro, tout le live va complètement changer. Donc bien sûr, je serai en live demain soir aussi sur les trois fermes. Et hâte de montrer ça et l'ouverture bien sûr de ma boutique. Donc ma boutique va changer avec des nouveaux logos, nouveaux designs, Star Family. Donc hâte de vous montrer ça. Et déjà je vous ai montré sur Instagram et beaucoup de gens trouvent que c'est vraiment stylé, donc voilà. Donc non, logiquement donc demain à partir de 11h, nouvelle boutique, il y a tout qui va sortir avec des réductions en plus. Eh les gars, je crois que ça se fait pas, mais j'ai réussi à négocier, à gérer ça. De faire que quand la boutique se lance, il y a déjà des soldes. J'ai l'habitude de faire ça. Bah non, en général quand tu lances une nouvelle collection, tu mets pas des soldes, non? Enfin je sais pas. Bah moi j'ai connu, si ça se fait. Ah ouais, ok, bah voilà, attends. Du coup il y aura ça.
Et ben, hâte de vous de présenter ça. Donc il y en aura pour la team. Moi je vais en acheter. Alors, en acheter pour toute la team, je ne sais pas. Hein, Bob. Mais non, mais on va essayer de voir. Mais en tout cas, hâte de vous présenter ça. Et j'espère que ça vous plaira en tout cas. Comme ça, vous me direz vos retours dans le live. Dans le live demain soir, vous me direz. Et j'ai trop hâte de vous montrer le nouveau. Franchement, le nouveau design me plaît tellement. Il me tape. Oh là là. Même vous, en vrai, Borom, tu vas voir, ça va être. Vraiment, tu vas faire. Ah ouais, il a géré. T'avais montré quelques trucs, pas tout, mais t'avais montré quelques trucs et c'était déjà stylé. Donc, ouais. On verra mais dimanche. parce que là, justement, là, on tourne et on est samedi soir, vendredi soir, donc ouais. Pour la vidéo sur demain matin. Et là, justement, je viens d'avoir justement ma petite réunion avec mon designer pour montrer tout ce qu'il avait fait. Donc, il faudra attendre encore environ 2 semaines maximum pour avoir les alertes de sub et les alertes de dons qui seront vraiment personnalisées pour la chaîne. Oh mec, l'argent. Oh, l'argent, mec. Ah, tu vas faire ça aussi, les alertes de sub et tout. Ouais, ouais. Ah ouais. Bah ouais, donc ça sera vraiment le live sera 100% Star Family, ma chaîne, vraiment que ça. Donc voilà, d'où ce qui fait que bah, avoir des pulls, des suites, des casquettes, enfin des mugs et tout avec Star Family, c'est stylé. Donc voilà, comme ça, les subs ils auront aussi des petits badges à eux, enfin ça va vraiment être propre. Donc hâte de vous montrer ça. Voilà, voilà. Bon, du coup, je rentre. Le lait, on l'a vendu. Mec, on a 52 000 euros. Est-ce que tu penses qu'on aurait assez pour s'acheter un enclos? Bah en vrai je pense que l'enclos il coûte pas très cher mais c'est les moutons qui vont coûter cher. Bah au moins on a l'enclos, au moins on se dit on a l'enclos, ah c'est oui. Déjà pas mal. Je sais pas. 80 000 euros. Ah ouais. Bah sinon si il y a la moissonneuse, elle est en route ou pas? Si la moissonneuse est en route on amène de la benne et on va vider. C'est du soja en plus. Je pense que l'ouvrier c'est fini. Non il y a pas d'ouvrier. Ah merde c'est arrêté, ah dommage. On va rentrer, on va essayer de voir ça. On va essayer de voir ça. En tout cas, merci pour vos retours, que ce soit sur tous les épisodes. Encore une fois, je vous le dis, hein, mais celui de la semaine dernière a battu les records de tous les épisodes qu'on a fait avant. Genre, c'est trop bien. Donc, on verra si celui-là bat le record, encore une fois. N'hésitez pas, évidemment, à liker, c'est toujours très plaisir. D'ailleurs, il y aura une petite animation de like, si jamais, pour toutes les vidéos. Et par contre, vraiment, elle est trop belle. Vraiment, elle est... Ah, c'est trop beau, je suis trop content. Dans tous les cas, vous la verrez dimanche, demain. Du coup, demain, vous la verrez à partir de 11h pour l'avant... En gros, il y a l'avant-première. Il y a beaucoup de gens qui sont au courant, mais il y a des gens qui sont pas au courant, qu'il y a l'avant-première, en fait, des 3 fermes qui sortent une demi-heure avant sur mon site. Donc, voilà, vous allez sur mon site, dans astarvio.fr. Vous allez dans l'accueil du site, il y a un gros truc qui dit avant-première, vous cliquez. Et à 11h pile, vous réactualisez, il y a le bouton qui se met et hop, vous pouvez cliquer et voir les 3 fermes 30 minutes avant la sortie officielle. Et en vrai, c'est stylé, c'est comme ça, et il y a beaucoup de gens qui la voient, donc c'est cool. Alors, je vais récupérer la moissonneuse, voir où c'est qu'elle en est. Ma moissonneuse. Ah oui, d'accord, ok, ça l'a fait. Attendez, au pire, on va la remettre en route. Ouais, mais l'ouvrier il déconne, je crois. Attendez, on va essayer de voir. Parce que là, si j'ai mis l'ouvrier, je crois qu'il va faire des lignes bizarrement. H, qu'est-ce qu'il fait là? On a à voir parce que. Ah, non, peut-être pas. Bon, on va laisser faire sa vie. En vrai, il s'est mis dans le bon sens. S'il va dans ce sens là, c'est bon. S'il va dans le sens de la route, ça va pas bien. Bon, on verra bien. Ok, pour ça. Est-ce que je viendrai pas par hasard avec une benne? Ça serait mieux peut-être. On va revenir avec une benne. Au pire, je viens de t'aider si tu fauches. Comme ça, je viens de t'aider. On fait de la fauche ensemble. Là, j'ai fauché. Donc, ouais. T'as dit des foins. Donc, ouais, du foin, mais il va falloir faner. Je vais venir avec le fente alors, comme ça fera un peu de foin. Et si on a le temps avant la fin de la vidéo, on essaiera d'aller penduliser dans certains champs, ça serait bien. Ah bah nickel. Le grand Borom qui arrive. Aïe. Ah merde, je me suis bouffé le portail. Nickel. Allez, j'arrive. Voilà. C'est bon, je passe. Bon, après, alors, du coup, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme achat? Non, des nouveaux défis. Mais c'est vrai que là, ça fait longtemps qu'on n'a pas de nouveaux défis sur cette série. Ça fait. Ah ouais, c'est vrai, c'est pas bête. Il va falloir trouver un petit défi à faire, les amis, à réaliser du coup pour le live de mercredi. Il faut qu'on trouve un truc stylé. Ah, mec, là, je suis en train de penser au design, mais c'est trop bien. Oh, c'est trop stylé. Même tous les lives seront beaux et tout. Voilà. Après, bon, le live sera beau. Si je fais un live de merde, le live sera pas beau. Mais bon, il y aura des beaux décors aussi. Design, beau, ça sera joli. Voilà, peut-être sera beau. Au moins, il y aura 7 beaux. Donc, ça sera bien. Et hâte de vous montrer ça. Et vraiment, j'attends vraiment vos retours. Hein, donc, vous me direz. Donc, ouais, du coup, pour ce qui est des défis. Nickel, oui, il a pas bugué. Du coup, pour ce qui est des défis, à vous de me dire qu'est-ce qu'on pourrait faire comme défi qu'on n'a pas fait. Défi de moisson, on a déjà. Enfin, défi de bottes, on a déjà fait. Attends, oui, mon fente. Ouais, faut voir qu'est-ce qu'on peut faire comme défi. Je vais juste poser ma fourche. Aucune idée. Vraiment, vous me direz en commentaire. Enfin, encore une fois, vous proposez et nous, on essaiera de décider avec Gfit. Qu'est-ce qu'il fait? Je pense que lui aussi, il va peut-être proposer des défis. Enfin, je sais pas trop. Et bien sûr, aussi, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Gfit. Hein. Gfit fait une vidéo sur sa chaîne. Cède aussi d'ailleurs. Donc, n'hésitez pas à aller voir la vidéo qu'ils font. Je crois qu'elle sort. Celle de Gfit, elle sort à 9h. Donc, avant la mienne. Où est la faneuse là? Ah, oh, on l'a mis ici là où je suis là derrière. Ah, derrière? Bah ouais. Ah oui là, ok. Ok. Alors j'arrive, la faneuse elle est là. Bah tu peux venir avec l'endonneur du coup. Ouais, c'est ce que j'allais chercher. Mais je sais pas où il est. Ah, il est de l'autre côté je pense. En fait un tout qui est rangé un peu partout. Hein. On a une benne, on a une rebaneuse.
La rubanose, elle est à la nous. Je sais pas si d'ailleurs Zero va en avoir besoin. Mais ouais. Allez, on est parti, on va les faner. Comme ça, ça sera bon. Et ouais, du coup, pour ce qui est de l'ensileuse, on a une ensileuse. Mais est-ce que du coup, ça vaudrait pas le coup, vu qu'on a une ensileuse, enfin en Kuma, au final, on l'a gratuitement. Mais est-ce que ça vaudrait pas le coup d'ensiler et d'en faire quelque chose? Genre, soit on le met au bugaz si on fait de la thune, soit je sais pas, soit les animaux, soit pour les. Je sais pas du tout, si on peut en faire de l'ensilage. Je pense pour le moment, on a assez d'ensilage, donc si on en fait, c'est pour le biogaz quoi. Ouais, mais du coup, comment ça fonctionne ça, le bugaz? Attends, parce que biogaz. Il n'y en a pas sur cette map de bugaz, je crois. Il n'y en a pas? Non, je crois pas qu'il y ait de bugaz, mec. Eh ouais, non, je crois pas, vraiment. Il y a pas de bugaz. Hein. Aucun endroit est marqué bugaz où il y a le trigger déjà de bugaz. Cop, ball sail. Ouais, bah dites-moi si c'est moi qui me trompe, mais je crois qu'il n'y en a pas. Allez, on peut se faire de l'ensilage d'herbe pour changer, je sais pas. Ah ouais, de l'ensilage d'herbe. Ah ouais, c'est pas bête ça. De l'ensilage d'herbe, comme ça tu mets de l'herbe en vrac ou tu peux mettre un bâtiment même en vrac, je sais pas. Ouais. Ça peut être. Ouais, pourquoi pas, ça peut être bien. Bon, vous me direz en commentaire ce que vous voulez qu'on fasse. Pour ce qui est des champs d'ailleurs, on est encore très bien, on n'a pas la peine d'acheter d'autres champs. On s'est quand même acheté le gros champ à côté là, qu'on a moissonné dans le live, donc on est déjà pas mal. Donc là, ce qui manquera à faire, c'est acheter les moutons. Donc si on peut, à la fin de la vidéo, si les moissonneuses ça rapportait assez de sous, comme ça on met l'enclos. D'ailleurs, je sais pas qu'est-ce qu'on peut mettre niveau enclos. Est-ce qu'on peut mettre l'ouvrier sur ça? Oula, on va éviter. Hop. Faut essayer de voir. Attends, je vais mettre en ligne droite. J'ai rien regardé l'enclos, qu'est-ce qu'on pourrait prendre de beau. T'es où toi, tu me suis? Ah oui. Ah là, faut que je fasse deux tours. Bah oui, parce que sinon j'ai peur de prendre de l'herbe. Ah, attends, ouais, j'arrive, fais deux tours. J'arrive. Le petit feint là, il va être tout vert, magnifique. Il va être tout vert. Mais en tout cas, je pense que ce qu'il faudra faire, c'est que vous me poserez des questions dans la prochaine vidéo. Mais des questions sur moi, sur la vidéo, la chaîne, peu importe. Et j'essaierai de prendre genre 5-6 questions à répondre en vidéo. Je pense que ça peut être sympa de faire ça. Parce qu'en vrai, actuellement, il y a des vidéos tous les samedis sur cette chaîne. Ce qui actuellement est faisable, mais peut-être que plus tard, ce sera pas faisable parce que. Attends, on va essayer de faire un truc comme si on était au GPS, mais j'ai peur. Oula. Non, ça va. Ça va. Non, attends, en vrai, si je prends 3 bandes, ça devrait le faire. Du coup, ouais, ça peut être sympa de poser des questions, j'essaierai de répondre en commentaire. Parce que c'est vrai qu'actuellement, ouais, il y a des vidéos tout le temps. Mec, en vrai, je gère. Et mec, en vrai, je passe bien, je crois que ça va le faire. Pourquoi je fais ça? Aucune idée. Mais au moins, ouais, ça fait une ambiance, tu vois. Mec, ça va le prendre, hein. C'est bon. Ouais, et du coup, actuellement, du coup, il y a des vidéos tous les samedis depuis pas mal de temps, je crois. Tous les samedis, en fait, depuis qu'on a fait la série. Parce que je suis libre, mais je pense que d'ici quelques temps je serai pas libre et tout. Il y aura peut-être des tournages qui seront. Waouh! Oh non, le tas! Oh bah, je t'ai pété le tas, mec. Ah, oh, non, c'est pas rien, j'en passerai. Mais j'ai pas fait exprès, ok. Non, mais oui, c'est pas ma faute. C'est pas ma faute, ok. Non, mais et voilà, du coup, pour t'expliquer, là encore ça va. Bran, j'ai le seum. Je sais pas si chez vous aussi, même toi, Borom, tu dois avoir des fêtes l'été dans des villages, dans les villes et tout. Ouais. Mais les festivals de base. Mec, bon, y a plus rien, y a plus rien, ça me saoule, j'ai vraiment plus rien. Et je commence à. Mec, je lève, mais ça. En fait, je lève, mais. Ah ouais, mais je lève, mais la faneuse, en fait, les trucs, ils touchent quand même le landin. Ok, mais en fait, c'est à moi de rouler en dehors de landin. Bon, faudra que tu rendes tout, en fait. Non, c'est pas, t'inquiète, je vais essayer de rouler mieux. Mais voilà, du coup, pour l'instant, il y a des séries sur cette map. Et au passage, mardi, d'ailleurs, t'as pas reçu le SnowRunner, d'ailleurs, Borom? Non, je l'ai pas reçu. Non, mais il t'a envoyé un message comme quoi il voulait t'envoyer ou pas? Non, non. Bah, je te passe la clé du coup. Parce que du coup, on a reçu le Spin Tier Mode Runner. Non, Snow Runner. Enfin, non, c'est un jeu, Snow Runner. Snow Runner, ouais. Ouais, Snow Runner, c'est la suite de Mode Runner. Ok. Donc voilà, Snow Runner qui est un jeu. C'est qu'en gros, tu dois rouler avec des véhicules dans de la boue. Tu dois faire des. Enfin, en vrai, c'est bien. Il y a même des tracteurs. C'est du 4x4 en fait. C'est du 4x4 russe. Ouais, voilà, c'est du 4x4 et tout partout. Mais c'est vraiment. Moi, je trouve que c'est vraiment stylé. Et. Attends que ça replie. Et du coup, on fera ça logiquement mardi. On essaiera de live vers 17h45-18h. Logiquement, JFIT sera là. Il y a du multijoueur, donc ce sera fait avec toute la team. Enfin, du moins, on essaiera de faire le maximum. Sinon, sinon on fera pas. On essaiera de faire un autre jour. Mais le jeu est sympa. Il me l'a envoyé. Il l'a envoyé à JFIT, il l'a envoyé à Zero, il l'a envoyé à Nico, il l'a envoyé à Dylan. Et c'est trop bien quoi. Donc, on va essayer d'en profiter. Moi, je l'ai testé. Il a l'air vraiment sympa. Donc, voilà. Et j'essaierai de vous en faire gagner du coup, vu que j'ai reçu 5 clés. Et si j'en passe 2, il restera encore quelques-unes. Donc on essaiera de en faire gagner, voilà. Attends, je remets la faneuse là. Je sais pas si c'est une bonne idée. Hop, faneuse ici. On a encore de l'avoine dans la benne. Est-ce que les chevaux ont besoin d'avoine d'ailleurs? Parce que bon, les chevaux, non, ils sont encore maximum après. Faudrait les faire courir les chevaux. Je récupère la moissonneuse ou c'est que l'année? Attends, je vais voir la moissonneuse d'avoir bien avancé. Comme ça, on va essayer de se faire. Attends, du coup, c'est combien l'enclos? C'est vraiment 80 000 euros? C'était 80 000 pour le grand, oui. Ou alors c'est 100 000 aussi. Mais... Enclos pour mouton. Non, cochon. Peut-être celui de base. Celui de base, il vaut 90 000 euros, celui de base. Et sinon, enclos. C'est le tout dernier. Ah non, mais je regardais cochon, pardon. Mouton, 80 000 euros. Sinon, celui de base, c'est combien?
Ben non. Moins, 65 000. Ouais. Ouais. 65 000 ou 80 000. Bah, au final, en vrai, attends, est-ce que celui à 65 000, il prend 80 moutons et celui-là, il prend 250. Mais le problème, c'est que cet enclos-là, les amis, on l'a dans toutes nos séries, en fait. Genre, dans les paysans français, on l'a. Et celui de base, je vous avoue qu'on l'utilise pas souvent. Donc, en fait, je crois qu'on va prendre celui de base. Parce que vrai, ça va faire repenser au début de farming et tout, et ça, c'est bien. Non, enfin, bon, voilà. Non, du coup, on va prendre celui de base, je pense. Ah, bah, nickel, elle est pleine. On va prendre celui de base, ça sera mieux. Et au moins, ça nous fera prendre un peu moins d'argent. Donc voilà. Ah, c'est qui? Je crois que c'est Jivit qui est en train de dépendre avec le Sulky. Ouais, Jivit se sont acheté un épandeur Sulky. Mais il est vraiment stylé. Il est vraiment stylé. Bon, je vais aller dessous, c'est pas grave. On va écraser quelques cultures. La trémie fait 10 tonnes. Donc je pense qu'avec 10 tonnes, c'est du quoi? C'est de l'orge. 10 tonnes d'orge. À mon avis, on gagne combien d'argent, vous pensez? 10 tonnes d'orge. 500, 700. Ça va, mais comment on va arriver en fait? 700. C'est où, Coparigal? Dites-moi que c'est là. Oh, c'est là, yes! Oh, yes! On va aller directement vider là alors. On va directement aller vider là, on va laisser la moissonneuse vider. Et il faut que je vienne t'aider à presser ou quoi? Bah là j'ai fini d'ordonner. Donc Et bien il va falloir aller presser alors. La pantre il va galérer. Ouais non attends. Vaut mieux que tu. Ouais presse, je vais aller. Je presse et toi tu ramasses ou je sais pas. Ouais, bah en fait je vais peut-être aller épandre en fait. Je vais aller épandre en fait du lisier. Ouais. Mais après je pars qu'il. Ouais il va galérer. Non il galère pas. Ça va, il gère lui, ça va le faire. Ça va le faire. Et le tas de paille qu'on a en plein milieu, il faudra qu'on le donne bah aux vaches. Mais attends, on a des bottes de paille là? On a un plateau bah oui, de. Ah oui, je les ai ramenés l'autre jour. Ah. Je savais pas où les mettre. C'était lors du live. Ah, parce qu'il n'y avait pas la place. Ah ouais. Il n'y avait pas de place, non. Du coup, bah, je savais pas où les mettre. Du coup, je les ai posés là pour le moment. Ok. Bah ouais, de toute façon. C'est vrai, on pourrait mettre aussi un bâtiment pour faire vraiment que ranger les bottes dans le bâtiment. Mais bon, regardez-moi ça, c'est trop bien par contre ça. Oh là là, il est trop beau. Il est trop beau cet épandeur. Bon, c'est, ouais, rien qu'à vide, il galère déjà le truc. Donc j'ai peur qu'à plein. C'est compliqué, mais il me semble qu'en live j'avais épandu avec ça, donc en live ça doit être... Regardez, en vrai vous faites ça là. Bon, alors, ça c'est juste pour décorer, hein. Malheureusement, en plus la cuve est vide, c'est moche, mais la cuve est vide alors qu'il y en a beaucoup dedans. Faites comme ça là. Bah, ça c'est dommage ça. Mais en vrai, dans le prochain farming, il pourrait faire un truc comme ça. Hop, bah, sur, devant. Sur certaines maps il y en a. Hein. Là tu remplis, bon logiquement en vrai tu devrais faire comme ça. Ah ouais, sur certaines maps il y en a. Bah, il me semble sur Belgique profonde ça fonctionnait. Ah ouais, mais, tu sais, voir vraiment que le fumier, le lisier il tourne et tout, et que vraiment que tu le. Ah oui, ça je sais pas ça. Parce qu'il y a un mode qui est sorti, c'est que tu dois aller avec une machine, tu sais, pour le faire tourner le fumier, le lisier. Ah oui. Mais ouais. Non, mais du coup, c'était juste, non, c'est juste pour décorer, enfin le mode ça va rien en fait. Le mode est sorti sur le mode up, mais il ne servait à rien, voilà. Bon, je vais aller vendre directement mes 10 tonnes. Attendez, il y a un chemin là, putain, on va passer par là. Il y a un chemin, on va passer par là, les gars. On va essayer de passer par le chemin. Et mais attends, c'est quoi tout ça? Mec, c'est ouf, putain, le coq. Le coq. Vénère ou quoi? Il est énervé le coq aujourd'hui. Sous la fenêtre quoi, hein, y'a que ça à faire quoi. Voilà. Mec, je passe par un chemin, je suis jamais passé. Ah ouais? Ah. Ah bah je crois qu'en fait c'est l'entrée du champ, mais on y passe jamais en fait. Enfin y'a deux entrées mais on passe jamais par la bonne. Oh! T'es chiant. j'ai pas, je m'en fous, je couperai pas au montage, hein. Je laisse faire. Bah c'est bon, c'est ouvert. Je m'en fous, je ne couperai pas la vidéo avec le coq. Il gueulera, c'est la nature, de toute façon c'est la vie. Lui aussi il est confiné mais bon. C'est la campagne. Il va être confiné dans le four, tu vois. Non, je rigole. Enfin, je rigole. Mais c'est pas possible. Bon, du coup, attends. Il est pas content. Est-ce que... Et en vrai, mais j'aimerais acheter. Faut acheter l'enclos, s'il vous plaît. Faut qu'on ait l'enclos. Mec, on a. C'est combien l'enclos, tu m'as dit? Enfin, tu m'as dit. Ah non, on a pas assez. Celui de base, c'est 65 000. Non! On a pas encore assez. Bon, bah, à mon avis, ça sera en live. Hein. À mon avis, les gars, on s'achètera en live. Comme ça, peut-être qu'on aura aussi l'argent de la moisson. Parce qu'il y a tous les champs moissonnés. Donc, à mon avis, on moissonnera tous les champs en live et même hors vidéo un petit peu. Parce qu'on avancera. Pour qu'en vidéo, on puisse acheter les moutons et on puisse commencer à les nourrir et tout. Et après, qu'est-ce qu'il y aurait à acheter? Je ne sais pas. Mis à part. Rien en fait. On a une auto-chargeuse. C'est possible ça. Pourquoi il s'est arrêté? L'ouvrier s'est arrêté. Bon, très bien. Celui-là. C'est toi qui l'as enlevé ou c'est eux qui l'ont enlevé? Mais c'est eux qui l'ont enlevé, c'est des bâtards. Bon, tu veux que je vienne avec le plateau ou pas, ou je vais aller pendre moi? Bah écoute, là je suis en train de presser et je peux te dire qu'il y a du rendement. Bah je viens avec le plateau. J'aurais voulu les pendre, mais du coup, bon, on va pas les pendre, c'est pas grave. Hop là. Bon, puis on va laisser ça comme ça. Attends, je décroche ça. Ce coq il est vénère. J'arrive pas à décrocher. Ah, vous voyez d'abord baisser. Qu'est-ce qu'il faut? Attends, mais hein? Pourquoi je peux pas décrocher? Attends, je vais décrocher ça. J'avance et je décroche ça. Ok, bon c'est bon, j'ai réussi à faire ma technique. Où est le plateau par contre? Est-ce qu'il est pas au bot? Non, il est à côté de la stabule. C'est bon, je l'ai vu. Ah, ça a dû bugger, je pense. Ouais, je pense que ça a dû bugger ou peut-être qu'il a dû d'arrêter, je ne sais pas. Oh, mais c'est pas possible ça. Allez, les gars, au moins j'habite en campagne. Ça, on peut s'assurer. En vrai, tu peux avoir des coques aussi, mais quand même. Qu'est-ce qu'il y a?
Ceux qui s'en doutaient encore, ben voilà, vous voilà, avez la preuve. J'habite bien en campagne. D'abord, ceux qui se demandent d'ailleurs pourquoi il n'y a pas de vlog, je vous le dis, hein, je vous le répète encore une fois, je ne peux pas faire de vidéo vlog dans des fermes, sachant que j'en ai confiné. Et je suis pas le genre de personne à faire bon, on s'en fout. Non, non, je suis vraiment pas sorti de chez moi. Enfin, en fait, je sors chez moi tous les jours, je sors de chez moi, mais je reste soit à la ferme, soit je vais me promener, mais je reste pas loin de ma ferme. Et je croise personne, tu vois. Donc voilà. Enfin, il y a le Landin, mec, mais c'est double Landin. On avait fait deux foches aussi, donc c'est pas ah, ça. Ah oui, il y avait deux foches, ouais. 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 Donc voilà, du coup, dès que ça sera terminé, logiquement, j'aimerais bien aller voir Alex, j'aimerais bien aller voir Nico, j'aimerais bien aller voir bah, Alex qui est à la chaîne YouTube, Nico de la team, quoi. Et après, enfin, il y a même d'autres fermes, donc voilà, j'ai vraiment essayé de faire ça. Et du coup, refaire aussi un tournage dans les fermes avec AgriVillage, ça vous avez, oula, ça, oula, oula, ça vous avait pas mal plu. Donc on essaiera de refaire ça, les gars. Mais voilà, dès que ça sera terminé, les vlogs vont reprendre. Hein. Faut attendre peut-être 3-4 semaines le temps qu'on reprenne les habitudes. Et voilà, après, bon, par chez moi, il se passe des choses. Hein. Mon père fait les melons, mais les melons, j'ai déjà montré comment ça se passait. Il n'y a pas grand chose à... D'ailleurs, si, pour info, mon père resème le tournesol, enfin une partie du tournesol. Parce qu'il a été bouffé par les oiseaux, donc ça fait bien chier. Et voilà, c'est la vie. Voilà, pour ceux qui se passent, il faut voir ce qui se passe chez Starvio. Il se passe ça. Voilà. D'ailleurs, par chez toi, il y en a du tournesol par chez toi, Borom ou quoi? On en a, mais pas beaucoup. Nous, on a beaucoup de patates. Ah ouais, bah ouais, je sais, ouais. Bah oui, j'imagine. On a des patates, chez eux. On a de l'orge aussi, beaucoup. Ouais, ouais, mais ouais. C'est vrai que du tournesol, on en fait pas beaucoup, non. Ok, bah écoute les gars, je pense qu'on va pas tarder à s'arrêter. Hein. Moi je suis à 24 minutes d'enregistrement, mais je pense avec les intros et tout, le temps d'aller voir Gifit, ça aura fait une bonne petite vidéo. Écoutez, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir la ferme de Gifit. On va essayer de voir, je vais leur demander un petit peu ce qu'ils ont fait dans la vidéo. Donc, du coup, les amis, c'est parti. Allô ? Oui, allô ? Ah, oui. Bah, j'étais en train de t'écrire. Oui. Ah, bon, enfin, justement, oui. Comment ça se passe ? Allez, qu'est-ce qu'il fait le concessionnaire ? Il achète des choses encore. Mais j'achète ma chou, tu me laisses tranquille, s'il te plaît. Ah, d'accord, mais il est beau ton épandeur, hein. Il est joli. Bah oui, bah oui. T'as même des disques de changement. Ok, bon bah écoutez. Moi bon, j'ai fait ma petite vidéo, hein. Je sais pas si vous avez fini vous. Mais bah écoute, voilà. Nous on est plutôt pas mal. Ced a dû partir. Mais ouais, voilà, j'ai vu ça, ouais. On est plutôt pas mal pour du la coup, qu'est-ce que vous avez fait dans votre vidéo sinon pour savoir. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, du coup, tu l'avais vu notre nouveau semoir en live? Tu l'avais vu Le gros, ouais, ouais, ouais. Attends, on va aller chez toi. On va aller montrer ça. On va aller chez toi. Attendez, j'arrive avec l'ancileuse des riches. Il est où? Il est dans le champ. Attendez, je regarde. Dans le champ. Dans le champ, attends, je vous êtes où là? Ok, dans ce champ, juste ici, j'arrive. À droite, vas-y, vas-y. Ok, ah oui, d'accord, ça travaille dur. Donc le magnifique. Ah, ça travaille dur, ah oui. Ce tracteur, mais vous avez un tracteur puissant en vrai. Et le semoir, ok. Et vous avez semé? Le semoir, 9 mètres. Ouais, donc moi j'ai semé en début de vidéo, avoine, okay. Là on sème du colza. Ok. Voilà, puis après moi je suis parti sur de la chaux et on laboure aussi nos champs parce qu'il faut qu'on les laboure tout ça. Donc, et oui, d'accord, ouais, ok, ouais. Voilà. Ok, voilà, et justement, je pensais à un truc. Nous, on a moissonné, on a fauché une deuxième fauche, du coup. Ouais. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Voilà. Et on a vendu du lait pour pratiquement, je sais pas, 30 000 euros. Et on a comme projet de s'acheter un enclos à mouton. Mais bon, l'argent n'est pas encore. D'accord. Voilà, ah oui, nous aussi, on a un projet d'achat pour le live prochain. Voilà. Ah, ok. Voilà. Et du coup, je pensais, j'ai demandé aux abonnés s'ils pourraient trouver peut-être des nouveaux défis, parce qu'on n'a pas de défis depuis Oui, bah, on en parlait, tu vois, justement. Ouais, ah, on en ok, voilà. Du coup, bah, proposez un commentaire, on essaiera d'en choisir un pour mercredi, exactement. Donc nouveau défi à faire. Donc voilà. Pas de soucis. Mais écoutez, on va dire au revoir du coup. Bah oui, on est tous là, c'est pas mal. Et bah, du coup, bah, vas-y, allez, j'évite, à l'honneur. Ah non, ah non. Bon, à moi du coup. Allez, vas-y. Bon, allez, du coup, en tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Ouais, bah, ouais. Une fois, ça fait grave plaisir que vous regardiez nos vidéos, enfin celle de Gifit ou même celle de Ced ou la mienne. Voilà, c'est grave plaisir en tout cas. Donc, bah voilà, on continuera tant que ça vous plaira. Et puis, tant qu'on a des choses à montrer. Voilà, encore une fois, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu qui fait super plaisir. C'était Starvio, Gifit, Zero, Borom et Ced qui étaient là tout à l'heure. À la prochaine, les gars. Allez, ciao tout le monde.